Oh, on en voit des choses aussi. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Ah oh ouais. Ouais bah après il va être long et chiant à voir. Hein. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Si on le trouve, on le capture à la Pokéball directement. C'est pas la peine d'utiliser Onde Folie parce que... J'avoue que Onde Folie ça pourrait fonctionner s'il réussit à ne pas utiliser de téléport. Mais c'est trop hasardeux. Même si j'utilise Jet de Sable, c'est trop hasardeux. Parce que le téléport c'est un seul téléport et c'est mort. Il faut que je fasse mouche du premier coup. Le premier tour est sacré. Ok, voilà, voilà. Il est pas si rare que ça au final. Hein. On le voit tous les 4 ou 5 Pokémon. Allez! 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 Premier coup! Premier coup! En même temps, Abra, il a un bon taux de capture de plus de 200, je crois. Et il est transféré dans mon équipe. Donc voilà le magnifique Abra. Ah, loading state. J'ai rien dans le state set. Alors. Évidemment, un petit surnom. Hein. Bon, je pense pas que je vais garder Abra toute l'aventure. Même si j'avoue que Alakazam serait vachement utile. Ah non, c'est vrai, à la Alakazam on l'a par échange et je peux pas faire d'échange ni avec Cable Link ni n'importe comment. Donc à la Alakazam, niet, je ne pourrais pas l'avoir. Ouais, donc ça sera Kadabra, on pourra se limiter qu'à ça. Eh bah écoute, hein, on va l'appeler comment? On va l'appeler, allez j'ai une idée. Un truc que vous connaissez très certainement. Oz, comme le magicien d'Oz. Voilà. Nous avons donc notre petit Abra en poche. Et voilà, il peut faire téléporte. Mais avant de faire téléporte, je pense pas avoir fait de soin au centre Pokémon, donc on va le faire. Histoire de faire un, de provoquer un petit peu le checkpoint. Voilà. Hop, merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon. Hop. Voilà, c'est la petite partie de l'épisode tuto. Mine de rien, l'épisode et dire que à cause d'Abra, l'épisode a failli devenir chiant. Ah. J'ai failli me faire chier. Mais non, 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 on l'a attrapé du premier coup, c'est bien. Je préfère ne pas faire de conneries. On va sauvegarder. Sinon, je reset. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai loupé! Il faut être plus rapide que la lumière. Je t'ai vu. Pas moi. Reset. On va reset. Donc, reset, reset, reset. Je cherche l'option. Je suis pas sur Deathmume, c'est normal. Voilà, reset. On va tenter le coup. Si j'y arrive pas à cet épisode-là, j'y arriverai en off. C'est pas pour rien que j'ai sauvegardé juste devant lui. J'ai raté. J'ai raté. On va finir par y arriver, mais je sais pas comment. Ah, le reset, il n'y a pas de raccourci pour le reset. Bon, heureusement, c'est plutôt rapide, donc ça va. Voilà, Carapuce, c'est bien, allez, hop. Bon, on est d'accord que c'est ça. J'ai spammé le bouton. J'ai spammé le bouton. Mais je croyais qu'on pouvait pas... Mais c'est impossible. Vous pensez que c'est possible? Ça m'étonnerait. Normalement, je suis censé pouvoir utiliser Start avant même qu'il me voie. Bah, je suis censé avancer, faire Start,
Téléport jusqu'au centre Pokémon, revenir ici, l'affronter, le battre, retourner au centre Pokémon, soigner mon Pokémon, et là t'as Mew qui apparaît. C'est bien ça. Je l'ai eu! Je l'ai eu! Téléporte. Oh non! Oui! Regardez-moi ça, c'est magique! Ah, comment troller un dresseur! Oh là 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 là! Ah là, excusez-moi pour la petite interruption, je suis quand même allé vérifier sur Pokéville si c'était... Bah si c'était bien ça, donc... On va aller affronter, non pas le dresseur qu'on a... comment dire, qu'on a trollé, mais le gamin avec son Ramalos. Alors je l'ai sauvegardé, vous inquiétez pas. Je veux dire, j'ai pas sauvegardé le jeu, j'ai sauvegardé le gamin. Donc on va aller l'affronter. Et après, on revient à pied. Donc le gamin, c'est lui. Je préfère ne pas faire de conneries. Ah ouais, on peut pas utiliser le menu start. Oh, trop fort. Lui avec son Ramalos. Niveau 17. Allez, gamin, on va t'appeler Florian. Ramalos, le Pokémon paresse. C'est une grosse merde de Pokémon Psy qui va se faire mordre par un Pokémon de type vol, poison, qui possède une attaque de type ténèbres. Ça fait beaucoup de types, ça fait beaucoup trop de types dans cette phrase. Ah là là. Bien, je suis pas fou. Moi si. Je reviens à pied. Ah. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, mon cher? Mon menu start s'est ouvert tout seul. Et voilà! Allez, tu viens avec moi, toi. De toute façon, j'ai une autre... Ah non, c'est vrai, le gamin avec son Ramalos a été battu, donc le... Ah oui, le truc avec le croupier, ça marchera pas. Ok, donc c'est mon unique chance. Ah ah, je suis trop fort contre ce Mew, je dois... Étant donné son taux de capture très très faible, et mon niveau trop trop élevé, et son niveau beaucoup trop trop bas, ça va être trop trop difficile. Vous manquez le Pokémon. Hein? Quoi? Vous manquez le Pokémon. On peut m'expliquer ce qui se passe là? Les Pokéballs ne capturent pas Mew? Mais... Mais what the... Non, ça veut dire que je peux pas avoir Mew. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage, j'aurais pu avoir Mew. Mais le jeu a décidé que non, je n'aurai pas Mew, donc... on va le laisser se... On va le laisser devenir fou. Il fait pas de dégâts, c'est normal. Vous êtes sérieux? Je peux pas... Je peux vraiment pas l'attraper? Parce que sinon, on réessaye l'autre méthode. Mew se sent mieux. Mais pourquoi? Pourquoi Mew, tu me fais ça? C'est pas la peine. Je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir récupérer Mew. Il est impossible à attraper. Au fond, je suis sûr que ça vous arrange. Comme ça, moi, j'utiliserai pas de Pokémon cheaté dans l'aventure. C'est bien le seul moment où je pouvais en profiter. J'avoue que je peux utiliser les codes de Shadow Replay sur les autres jeux. On est sur émulateur, après tout. Ah oui, je l'avais pas dit, mais pour les jeux tels que Diamant, Perle, Platine, par exemple la Flûte Azur et compagnie, on utilisera le cheat code. Hein. Ah bah oui, y a pas le choix, c'est impossible à avoir autrement. Les événements Nintendo pour les jeux sur DS n'existent plus. Hein. Même sur 3DS, les événements, une fois que l'événement est passé, il revient plus jamais. Hein. Ah oui, ils vont pas refaire les événements. Voyons,
Ils ont beau remettre les jeux Pokémon sur... sur truc, c'est mort. Bon, vous savez quoi? On va aller battre le dresseur dans les broussailles et on va continuer notre aventure. Direction le Major Bob, Carmin-sur-Mer. En fait, à Kanto, on est un petit peu libre. On peut très bien aller à Céladopol affronter Erika en premier. Ou faire le tour jusqu'à Parmani pour affronter Koga. En fait, on est assez libre. Le scénar est pas très... Enfin, il empiète pas beaucoup. D'ailleurs, on peut pas aller à Safrania. Et non, le Sylphestar est pris d'assaut par la Team Rocket, c'est là-bas. En tout cas, c'était marrant cette partie de téléport avec lui. Non. Allez, on l'affronte. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il avait une cape. Non, il a pas de cape. Dresseur junior masculin, ça correspond à un top dresseur. Normalement. Un top dresseur qui a un ratatage le plein. En tout cas, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas attraper Mew. Peut-être que vous qui avez essayé l'autre méthode, peut-être que ça marche. Sinon, je sais pas. Mais j'ai l'impression que tous les dresseurs qui peuvent avancer comme ça, on peut utiliser téléport ou vol ou je ne sais pas quoi. Et on peut faire glitcher le jeu de sorte à faire apparaître Mew. Parce que j'ai l'impression que ce gamin avec le Ramelos, il est trop utile. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire ça avec tous les dresseurs. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, morsure, ça donne réponse à tout. On a battu Ondine avec une telle facilité. En même temps, mes Pokémon avaient un meilleur niveau, mais j'avoue quand même que c'est ma stratégie qui a fait pas le plus gros du travail, mais qui a fait une bonne partie du travail. J'avoue. Je m'améliore un peu. En fait, ce jeu t'incite à user de la stratégie pour parvenir à tes fins. Sinon, c'est pas facile. C'est lui qui a une coupe, je crois, non? C'est Rocket. C'est Rocket. Ils ont volé une CT pour prendre leur Pokémon à creuser les tunnels. Ça m'a coûté les yeux de la tête. J'avoue. Ah, mais c'est la Team Rocket! Eh, lutin, c'est pas chez toi ici. Quoi, moi? Je suis innocent, hein? Quoi dit? Tu me pro... Quoi dit? Quoi dit? Ça veut rien dire! Bon, après, évidemment, c'est Pokémon Go, donc... j'ai vu des trucs comme, par exemple, jeter la carte. Ou alors, acheter un truc trop cher. Il y a des phrases marrantes. Enfin, c'est plus de l'argot qu'autre chose. Hein. Tu me crois pas? Tu me cherches? Ben non. Pour une petite merde comme ça, j'irai aux toilettes pour te chercher. Hashtag blague de 2016. Oui, parce que nous sommes en 2016. D'ailleurs, bonne fête à tous ceux qui ont passé le nouvel an. Bonne fête. Bonne épiphanie, je devrais dire. La vidéo sort un peu tard, c'est normal. À cause de tous ces problèmes d'ordinateur, j'aurais bien voulu faire la vidéo le 31 décembre, mais j'ai eu ce bug. C'est dommage. Pourquoi je fais ça, moi? Non, j'utilise une attaque qui n'a rien à voir. Coup critique, la vie de Machoke est absorbée. Oh mon dieu, il m'a fait point de karaté. Je te mords la jambe. Je te suce le sang. J'aurais dû l'appeler Dracula. Mais je l'ai appelé Volian parce qu'il vole, c'est tout. Soporifique. Ah non. J'en ai assez entendu de cette histoire soporifique là. C'était tellement soporifique que j'avais envie de dormir, tiens. Non, rien qu'à le voir, ça me donne envie de dormir. Non mais, coup critique est super efficace quoi. Ah non, le type ténèbre n'existe pas encore. C'est vrai. Donc, morsure doit être de type normal. C'est stop, je me rends, t'es trop fort. Ok, voilà, c'était que j'ai volé. Je décampe, bye bye. Il y a trop d'apostrophes dans ces dialogues. Les gens ne savaient pas écrire. Il manquait des lettres. Ici, on peut utiliser... Ah non, on peut pas utiliser coupe, on n'a pas la CS. Bah, en même temps, je crois qu'elle doit être ici. Hein. Ah, attendez. On a la pension en bas. Ah non, je me rappelle de cette pension. Sur Pokémon Jaune, j'avais laissé mon Bulbizarre et j'avais jamais pu le récupérer. Je me rappelle de cette pension à la con. Ah mais je déconne pas, c'était horrible. Je pouvais pas récupérer mon Bulbizarre. C'était impossible à récupérer. Non, j'ai fait une connerie.
Mais non, pourquoi est-ce que mon clavier a fait ça?